parti là. Nous content d'être que vous présent dans la conférence là. Jodi à la conférence là, nous avons trois points là-dedans d'après. Premier point, c'est une analyse succincte n'a fait de mandat qui te cause la mort Jovenel là. Bon rapport entre mandat et ça Pierre Espérance bien fait dans le pays à Kounia là. Qui ça lié? Pierre Espérance besoin enterrer tout dossier, toute plainte qu'il fait contre lui. Mais par exemple, l'autre tribunal l'a utilisé, tribunal première instance de Port-au-Prince. Parce que c'est lui-même qui a le contrôle. Contrairement à ça, il y a deux juges qui ont dit que Pierre Espérance détruit la justice. Nous dit non, Pierre Espérance détruit tribunal première instance de Port-au-Prince. Donc n'importe quel dossier où il y a en face Pierre Espérance et là où il a traité, il a perdu d'avance. Donc, et dans ce sens-là, gagné un monsieur Terrelé, Jean-Roger Noël Sius, qui était un juge d'instruction en 2017, 18, 19, qui fait un mandat contre Jovenel Moïse pour assassinat. Et assassinat, ça par l'autre bagarre, massacre à Saline. Et ça te gagne comme élément, événement. Le monsieur fait mandat, il vient supporter trois autres juges dans le même tribunal corrompu ça. Il a planifié rencontre ça, Kaipé Espérance. Madame Coq voyait deux représentants. Et pour mandat ça te fait, faut que tu gagnes un document qui vient de joindre, qui c'est une réquisition, réquisitoire d'informer du parquet de Port-au-Prince. C'est-à-dire que tu es un chef parquet. L'on a gardé dans l'archive, même élément ça, qui dit ancien commissaire gouvernement, qui a fait toute manie pour Pierre Espérance, pour dossier Pierre Espérance, planifier réunion avec doyen. Puis on chita ensemble, puis on fait l'obéir sous dossier, plainte nous et tout crime yo. C'est Paul Léon Zvila qui était impliqué dans le mandat qui tue Jovenel. Pourquoi ça me dit ça? Monsieur Sahar, commissaire gouvernement, l'a nommé décembre 2018. Il a quitté fonction en septembre 2019. Mandat fait février 18 ou bien 8 février 2019. A regardé l'intervalle là pour eux. Intervalle là, mandat fait dans l'intervalle que monsieur était commissaire gouvernement. Qui ça juge l'a dit? Sous réquisitoire que le recevoir de paquet, qui moun ki gen doit bailler ça? Son dossier criminel. Si paquet a engagé, et chef paquet a qui pour engager. Sous réquisitoire paquet, il met un mandat d'arrêt contre Jovenel. Mais le mandat, il n'est pas cité non commissaire là, même si c'est une institution. Mais faut aller chercher pour qui moun qui était commissaire dans l'époque là. Et bien, avec ça, c'est bras droit de Pierre Espérance. Ok? Il chita dans le cabinet ministre de justice là. Il a comploté pour Tipier. Tipier dit persécuté. Il nous empêche le marché. Ceci, c'est l'autre bord. Vous avez besoin d'un jugement fait pour lui qui dit tout dossier a été dit. Il est tombé. Qui dossier d'après nous-mêmes? Plainte nous porter pour lui pour une explication sur ce qui est passé la Saline. Non? Plainte nous porter pour lui sous gang 4x4. Plainte nous porter sous action kidnapping. Et dernier ressort, c'est la plainte de Chelson Sanon qui a été kidnappé, emprisonné pendant 10 ans par un trio de monde qui dit affaire de droits humains. Donc, on ne peut pas comprendre ça du tout. Pour que Pierre Espérance gagne plus que 5 plaintes contre lui dans le tribunal pour l'instant de Port-au-Prince. Non, DCPJ gagne plus que 13 plaintes. Gagne plus que 17 personnes en prison. Même gang 4x4. Ok? Qui implique dans plusieurs kidnappings. Et gagne une kidnappée Pierre Espérance. Frère Yval Mendy. Il y a une spécialité, 5 kidnappings par année pour vivre. Donc imagine aussi chaque kidnapping vaut $300,000 américains, 5 fois 3, 15. Vous voyez combien de cobres il y a dans le monde? 1,5 million. Supposons, hypothèse. Donc, monsieur a fait son dernier kidnapping. De quoi? Saint-Marc. Il y a des simos, je crois, qui t'a fait. Résistance avec eux. Soit allemand jusqu'à mon hôpital. Ils ont tué chauffeur, monsieur. Ils ont tout matériel que
élément que tu as expérience. Casimir avec Robinson Malbranche, tu as dénoncé, Kaboul, etc. Il n'y a pas de jamais arrêter un gang d'expérience, tu vas avoir un matériel que tu n'as pas de gagner, Zam Kaboul, etc. Il y a arrêté au Kai, il y a tout le monde. Il y a arrêté au Tigouave, il y a arrêté au Semap, il y a arrêté au Petionville et la Trier. Et international, là, connaît ça. Et il dit, Pierre Espérance, il a trop menti. Quand il y a là, monsieur, ça a arrêté. Il a arrêté. Il a témoigné. En dehors de ça, il y a quatre personnes qui témoignent de bagay ça autour. Qui côté au travail, qui côté sorti, en dans le local Pierre Espérance. Il connaît une situation grave pour lui. Et il dit que seul monde qui peut sauver, c'est le tribunal, première instance de Port-au-Prince. Que nous dit, d'après l'information que nous avons de bonnes sources, parmi toutes les juridictions de jugement qui sont dans le pays, 18 ou 19, c'est ça qui est corrompu. Parce que l'expérience a un contrôle à 80%. Parce que il y a un outil dans le mail, pour ne pas certifier. Je fais un rapport sur mes armes sont utilisées pour détruire la société. Ces témoignages des juges ont été faits dernièrement là, dans l'émission de à journaliste dans le pays. Donc, pour telle situation, est-ce qu'un commissaire gouvernement qui était impliqué dans l'assassinat, dans le mandat qui a assassiné Jovenel Moïse, capable d'arroger le droit pour entrer dans le cabinet au ministre de justice qui a pour bailler justice, pour renforcer la justice dans le pays? Et pour la petite expérience, pas au kipo, depuis nous là, on va faire un paquita, un panago devant la justice. Je dis, Pierre, on menti. Détrompe au tonton. Dossier ça, faut qu'il traite. Dossier gang 4x4, faut qu'il traite. Dossier kidnapping, faut qu'il traite. Massacre la salle, faut qu'il traite. Dossier Delma 32, faut qu'il traite. Qui te conduit à la mort? Deux journalistes. Il va bien marcher, chercher, support l'autre monde. Donc, nous demandons pour que la société apprenne acte des démarches qu'elle a faites par le biais des commissaires gouvernement qui ont fait mandat ensemble avec le juge là, qui a le cabinet d'instruction, qui a le juge là, qui est retourné. Donc, si vous commissaire, si vous avez un juge qui a fait un travail sérieux, premier élément de départ pour demander sous dossier journal, là, il mandat ça. Il m'a demandé à 3 par coup. Il est sur le cabinet d'instruction. Il est sur le paquet. Il est dans le cabinet doyen. Et puis il est dans le juge d'instruction. Et puis il doit informer que tout le monde sait faut parler avec eux. Il n'y a pas comme ça. Donc, même Pierre Espérance lui-même, il continue à faire ses œuvres. Et ça, plus intéressant, après plainte, Chelson Sanon, madame du Sénat, entre col non tunnel d'Amoné, et je vous dis là, l'a fait route par bois pour tomber en sapitre, de tchot à en sapitre pour le jeter. Parce qu'il connaît bien, non, titan tout coup, il va questionner sur 4 chefs d'accusation, vol de téléphone, kidnapping, extorsion, séquestration, association de malfaiteurs. Que Pierre Espérance est chef malfaiteur et nous dit encore, Pierre Espérance, madame du Sénat, il faut qu'il réponde à la question de la justice. Et Pierre Espérance, c'est une plus gros kidnappeur que Haïti pour que jamais produit parce que l'a agi à un homme de plume. Propose l'a fait rapport. Tandis que il y a un escadron la mort qui est les gangs 4x4 qui a fait événement à travers tout pays. Donc, dans ce sens, ça nous dit la police, la justice, assumer responsabilité parce que vous gagnez toute information possible et imaginable. Emmanuel Bissent, vous fait 9 jours dans le DCPJ. Pierre Espérance, pourquoi faire une seconde? Napton DCPJ, dans le niveau ça. Dernier point pour nous finir, c'est que nous dit que l'autorité dans le pays, ça. La police. Faut que nous supporter la meilleure. Nous avons une opportunité qui offre avec nous là. Si nous arrivons à résoudre l'insécurité pays. Parce que la police dépassée par les événements, ministère de la Justice, CSPN, comme c'est lui-même qui
dans la rue avec les policiers. Ministère de l'Intérieur, secrétaire d'État à la sécurité publique, monsieur, paraît caché dans le bureau nous, mettre pied nous à terre pour nous sauver le pays. Ça. Si nous ne faisons pas ça, dans tout coup, Haïti a transformé en Somalie, en Kosovo, en Libye, pour me citer ça seulement. Merci. Donc, selon vous même DG, est-ce que vous prenez dans la justice dans le pays? Oh, bon, il a de nous, mais défaite de justice, c'est tout provisoire. On le, ça vous faites, vous avez fait. Ok? On le, ça vous faites, vous avez fait. A balle ou conférence de presse, parce que tu constates que l'insécurité a progressé dans le pays. Chaque jour, moun a tombé par balle bandit, sans foi ni loi. Policiers pas épanouis. Docteur, avocat, pasteur, gang, pas épargné, élève l'école, parents, pas épargné de balles bandits. Et nous constatons comment le phénomène kidnapping a continué à faire ravage en deux pays. Par l'État qui l'a pour stopper le phénomène kidnapping. Non. Dans ce sens, la force opposition radicale pour changement, invite la population haïtienne, non. Militants conséquents, citoyens engagés, pasteur fidèle l'église, ou grand, on siyo, avocat, docteur, professionnel, étudiant, dans un gros sitin qui a fait devant le ministère de la justice pour nous demander le ministre de la justice là, qui a déclaré zone Matissan perdue. Comme ça, tout, il va déclarer zone Canaran non perdue, il va déclarer zone. Petroville, Meyotte et Fochac, zone perdue. C'est-à-dire que, en gros, c'est tout pays. Port-au-Prince, général, il va déclarer zone perdue. Puisque lui-même, il est deuxième membre du CSPN, non? Et il est porte-parole gouvernement anti-peuple anti-changement. Côté nous, il y a Dr. Ariel dans la tête. Eh bien, il fait une déclaration. Pour dire que le gouvernement n'est pas capable de la sécurité dans le pays, l'État en faillite. Elle dit que chaque monde doit acheter des armes, mettre la caillou, acheter manchette, couteau, bois, roche, mettre la caillou pour que nous puissions faire des fausses têtes. Ça veut dire que vous ne dis pas pas capable de la sécurité. Et bien dans ce sens, nous disons que c'est qui va le faire devant le ministère de la justice. Là, jeudi 13 avril 2023 à 18 tapant, son sitin nous dit qu'elle va faire contre insécurité, contre kidnapping, contre impunité, contre CSPN tout, pour demander démission pressée sans condition. Madame Emilie Prophète, qui est ministre de justice, ensemble avec Dr. Ariel, qui a dirigé CSPN. Qui donc nous parle de ça encore, parce que n'y a pas de sécurité dans le pays. Hein? Il n'y a pas qu'à stopper le phénomène de kidnapping, non. Malgré que tu fais demande force internationale, tu fais demande pour de gagner force militaire entrant dans le pays, il n'y a pas de jeunes et il n'y a pas rien au café qui donc il y a même eu de bas démission. Nous avons souligné avec tout le journaliste qui est là et la population haïtienne, non, que au monde comme ça, qui est deuxièmement dans le CSPN, non, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, parce qu'il est ministre. Et communication entre le gouvernement, qu'ils font une déclaration comme ça, et puis après 3 jours, ils ont démissionné. Ils sont là toujours, et pas grand-chose qu'ils ont fait. Chaque jour, c'est le monde qui a tombé. Encore, les policiers ont tombé par pile paquet. Ils n'ont pas dit non, mais que plus de policiers qui ont tombé toujours. Mais presque dans la zone, ils ont caché la vérité. Et bien, nous disons que la population n'est pas capable. Et bien, tout le monde a rendez-vous jeudi matin, 10h. Devant le ministère de la Justice pour demander au ministre pour démissionner sans condition et en même temps tout pour Dr. Ariel Henry qui est CPM de facto pour démissionner pour que nous puissions entrer dans la conférence souveraine par un autre gouvernement, il y a un autre gouvernement et de transition coupé fâché pour que nous vraiment disions mes côtés nous parlons avec le pays dans 30-40 ans.
Et bien, c'est voilà la raison pour laquelle maintenant, force opposition radicale pour changement, invitez la presse parler et télévisée pour nous avertir, mon gouvernement, ça y est. Qui va prendre un sérieux, et bien bataille à relancer, sitine devant le ministère de la Justice pour demander démission de Mounsayo qui va vous rien dans le pays. Nous avons avancé pour nous dire, nous avons levé voix nous bien haut pour nous continuer à dénoncer le gouvernement ça, qui signe un pacte avec un groupe de démons qui aurait l'Occident qui mène par les États-Unis, qui gagne en condition ensemble avec lui pour le capable de bali 1000 têtes haïtiennes. Pour le boisson chaque mois dans le pays. C'est ça qui la cause. Toute la journée, ouais, vous plantez une série de groupes gangs. Vous simez, pépinières, volés et kidnappés tout partout dans le pays. Pour capable de continuer tout les population. Vous faites une série de mercenaires entrer dans le pays. Mercenaires tout les policiers dans tout coin dans le pays. Et bien aujourd'hui, nous-mêmes, comme une série de citoyens engagés, nous ne pouvons pas arrêter pour nous prendre des bras, nous, pour nous croiser. Pour nous garder l'équipe ça capable d'agir comme ça, parce que nous sommes dans toute couche de la société, tout le monde a touché. La police par exemple, les gens dans la société civile par exemple, avocat par exemple, paysan par exemple, même petit paysan qui cache dans toute tête, qui a planté des graines de maïs, des graines de pois, des légumes et la trier. Yo tout le gouvernement rangé quoi là ensemble avec l'international là pour capable continuer à retirer la vie dans la société. Nous lever camper pour nous dire non. À l'équipe de Monsayo qui continue à camper pour y avoir 100 populations là. Nous disons merci à tous les anciens politiciens aujourd'hui à qui rangent le complot à Ariel Henry pour mettre nous dans la condition ça que nous sommes là. Aujourd'hui à pour un bon jeune, maman petite, papa, pas comme ça pour nous faire. Il y a qui sont depuis Port-au-Prince qui traversent juste Saint-Domingue à pied. Il y a qui prennent un bateau qui a le bail qui mange pour arriver aux États-Unis. Et bien, aujourd'hui, on a regardé pour nous, dans conditions, frère, nous, accès, nous, à vivre dans le pays, ça. Ben, elle n'a pas qu'à continuer comme ça. On a dit, tout citoyen, courir pas solution dans le pays, aujourd'hui. C'est camper pour nous goûter, pour nous déchouquer l'équipe gouvernement, ça. Parce que nous connaissons courage, nous-mêmes, chaque grain haïtien, aujourd'hui, qui ça veut dire pour nous. L'ordi haïtien, ou dit vertier de l'indépendance. L'ordi haïtien, ou dit petit Jean-Jacques Dessalines. Ou dit petit Capo à la mort. Ou dit petit. Henri Christophe, nous pas qu'après ça dans Ménégio, n'a levé camper pour nous déchouquer l'équipe gouvernement ça qui là et ensuite pour nous déchouquer pépinières voleurs kidnappés et ça au planté dans pays pour nous détruire toutes mercenaires américains là sur territoire là cap marcher tout et tout petit pays. Nous connaissons douleur chaque grande zone yo a penduré. Donc vous la prend par exemple Torcel, nous connaissons Fort Jacques, nous connaissons Canaran, nous connaissons tous 10 départements pays là côté qui a subi des actes malhonnêtes que le gouvernement ça a fait sous yon exaction, toute qualité injustice. Nous prenons douleur, nous partageons douleur ensemble avec yon. Eh bien, je dis à ce jour même pour lever campé ou même comme citoyen engagé, pour ne pas prendre ça dans mes gangs là, pour nous lever campé, pour nous déchouquer yon, une fois pour toutes, et puis pour la jeunesse pour un pays, pour nous capable de mener un pays au bon port. Merci. Non bon. Pour nous, il y a prison toujours qui est grève. Même si l'avocat côté de Sénat, on a prison, on a fait des marches pour nous. Nous toujours qu'on a une grève parce que la situation est dans la prison, c'est la situation de grève. Seulement, on peut mettre dans la situation ça. Parce que, vous imaginez, on sait de nez qui gagne 10 ans, il n'y a jamais passé devant le juge naturel. C'est le seul pays qui a une grève permanente qui te cas, mettez dans la situation ça. Des nègres qui ont un petit bar de mineurs, un paquet de bagages, un petit bar de petits, les gars tombent dans une situation à faire 20 ans en prison, 15 ans en prison, ils ne vont pas empêcher tout comme ça. Donc c'est une situation qui est toujours très tendue entre eux. Les gens qui travaillent, nécessairement, les gens qui travaillent, les gens qui plaisir. Donc moi-même, comment dire? À chaque fois, le même avocat dans une situation ça, nous presque voulons quitter le pays, que nous là dedans parce que nous ne pouvons pas avoir une image de manœuvre pour nous sauver économique. Mais qu'on l'autre bar encore. Le 29 mars qui s'est passé là, le ministre Émile Prophète sort sur mes yeux. Nous disons que c'est un gros bagage le ministre à faire parce qu'on n'a pas de temps à le faire pour le diable. S'il n'est pas accompagné, il n'a pas de temps. S'il est accompagné, il n'a pas de temps. Parce que je ne sais pas si vous greffe tribunal transformé en boutique et transformé en côté de faire transaction. Parce que l'homme garde les trois tribunaux de paix qui est au niveau Pétionville, Telma. Section S,
moun sa ou pa fè constat nan tarif ki yo mande ya. C'est 2000 gout la loi type yo fè constat. Moun sa ou pran 15000 gout, 20000 gout yo fè constat. Donc avocat ou men pou défendre client, pou défendre tête li. Donc bon concurrence virtuelle et à la fois réelle entre greffier et avocat. Donc qui mette criminel en situation de dysfonctionnement. Toujours qu'un litige parce que ou ka imagine pou nèg fè constat ki difficulté de guerre. Faut aller en machine à cope dans poche. Faut payer constat à un prix très élevé. Nous on passé août de tarif judiciaire là que pas jamais respecté. Si de façon policier, faut payer policier. Lorsqu'il prend un procès par le constat, si vous parlez payer, t'appelle. Pendant le tribunal, le secrétaire de l'État ne pas taper le constat. Ou aller dehors, dans mon particulier, pour prendre un cahier. Un cahier greffe là, puis on sort de mon particulier, il taper. Donc ça veut montrer que nous-mêmes, jamais se lancer là, nous disons bravo, ministre. Et nous avons l'autre mesure encore pour qu'il accompagne ça déjà avant. Parce que si vous prenez un mesure, pas accompagner les mesures, c'est complètement un mesure pour le même. Je vais passer autorité dans bêtise. Donc à chaque fois nous-mêmes nous avons fait grève, nous disons que c'est méchant ou méchant. Je ne reconnais pas un paquet d'entités qui vivent de tribunal. Un paquet de monde qui vivent de tribunal. Comme nous-mêmes avocats, nous c'est monde qui puisse frapper parce que nous vivons de profession. Hein? Nous vivons de salle d'apprendre. Il y a des gens qui ont profession qui accompagnent les avocats, il y a des gens qui font droit seulement. Donc ça, il met une situation précaire et fragile sur le plan économique. Grève là, ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Je crois que il faut négocier autant de budget, il faut attendre le budget avant de faire grève. Mais j'ai fait là, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Rappelez-nous. Dans ce cas-là, comment vous voyez ça? Bon, si le 29 mars, mais c'est entendu, nous, pour mes jours, on accuse un tribunal, on sort de l'ordre de transparence, je pense que dans ce cas-là, nous avons le tribunal. Parce que toute bagarre, c'est un grève tribunal. Depuis que le transparent dans le greffe tribunal, ils mettent des balises pour ne pas faire corruption dans le tribunal, quand il y a le tribunal a fonctionné bien. On a vu le travail. Quand il y a des gens qui sont en congé, même quand il y a vie, qui est en congé. Même moi, je vais mettre la porte pour dire pas pour la télé. Quand il y a un juge de paix là, il y a Pétionville, mais le juge de paix pour qu'on vienne à Pétionville. Il fait un tribunal, il est venu, il voulait un tribunal là où il est. Donc ça veut dire que c'est Chambla Kalili. Section S là. Il y a un peu de juge de paix qui va jamais venir travailler. Et titulaire lui-même, il vient travailler à 11h là déjà. Donc il n'y a pas fonctionné, vrai. C'est pas de non exister. Donc nous demandons pour le ministre de Pilate. J'ai commencé à faire avec les juges à le faire. Un pile avocat content. Pour mes juges à le prendre. 29 mars là pour mes juges pour mettre l'ordre dans le greffe tribunal. Un pile avocat content. Il faut le faire un micro-trottoir. Pour le dire combien de monde qui content, justice qui content, tout famille monde qui content, qui t'a fait quand le tribunal est trop cher, malheureusement. Yes. D'accord. Vous votez pour vous. Vous votez pour vous. Oui. Ok. A constaté que l'activité est paralysée parce que les officiers du ministère public avec greffiers ont entamé une grève depuis plusieurs semaines. Nous-mêmes dans UNAPA, qui c'est l'Union nationale des avocats progressistes pour l'avancement d'Haïti, nous dit que grève ça, c'est une grève qui est illégale. Son grève qui est faite en dehors de la loi, son grève qui est constitutionnelle. Nous disons grève, ça tout simplement son grève qui est arbitraire. Écoutez, je dis à gagner, moun n'y a pas arrêté chaque jour. Si vous faites coup de pied dans le commissariat, dans les zones métropolitaines, vous pouvez vous surcharger tellement que moun la police arrêté. Et ils ne sont pas capables de venir devant le tribunal. Tandis que la loi, la constitution haïtienne de 1987, dans l'article 26, il dit que vous ne pas capable de faire des gens dans la prison si ou pas, il ne peut pas arrêter devant le juge dans 48 heures. Jodia, il y a pile de monde qui est incarcéré dans la prison, qui a 10 ans, qui a 15 ans,
nous pas jamais juger parce que l'état dysfonctionnel. Donc nous même nous dit que les droits et libertés des détenus écoués dans les centres hein dans les centres Cassero en Haïti donc droit ça yo bafoué yo violé systématiquement et c'est autorité même qui violé. Pourquoi? Haïti ratifié des conventions internationales qui traitaient question de la monde. N'est-ce pas? Nous, pas respecté en rien. La législation haïtienne. Voilà. La législation haïtienne même dit comment pour l'État protéger, pour l'État garantir, pour l'État proclamer, n'est-ce pas? Question de la monde dans le pays. Mais malheureusement, c'est même l'État qui a vu de la moune dans le pays. Nous même nous disons que ça est illégal parce que la loi portant statut à la magistrature il clairement dit que un juge, un officier du ministère public capable toujours gagner des revendications. Mais cependant, les revendications magistrats ne pas supposé porter atteinte à la liberté individuelle. Ça fait nous-mêmes, dans UNAPA, nous disons que ça est illégal et rapidement, FOP, CSPJ, ministère de la Justice, rappelez M. Alod, rappelez Paquetier Alod, rappelez Audio, mais qui ça la loi dit que vous faites? Grève, vous n'avez pas supposé porter atteinte à la liberté, aux droits des personnes incarcérées. Ça fait, nous-mêmes nous demandons pour. Si SPJ prend responsabilité, n'est-ce pas? Pour le ministère de la Justice, prend responsabilité, justement, pour lui. Ouais, comment il est capable d'aider à améliorer les conditions? Parce que je dis, c'est la catastrophique. Hein? Indépendance nationale, monsieur, soit allez, on crie. On crie l'indépendance nationale. Mais tu es toujours venu à l'indépendance nationale. C'est parce que l'État, c'est parce que paquetier l'État va prendre sa bite qui fait venir à l'indépendance nationale. 48 heures, vous n'allez pas devant le juge. Les dossiers n'ont pas bien discussion, il y a 3 mois, n'est-ce pas, pour vous et vous juger. Mais je dis, il y a 10 ans, 15 ans d'indépendance nationale. Je dis, il y a une grève illimitée. Conséquence directe, c'est détention collective prolongée. Nous-mêmes, nous demandons pour le ministère de la Justice, ensemble avec CSPJ, n'est-ce pas, pour rappeler le commissaire gouvernement Wallon. Pour rappeler le greffier Wallon, pour dire greffier, revendication, pas supposé porter atteinte aux droits et libertés individuelles des personnes incarcérées. Non, non, pas oui. Qui pousse il a demandé augmentation salaire. Il a demandé bon gens quoi de travail. Moi-même, je n'ai pas bien gagné ça. Si et seulement si, les négociateurs ne prennent pas qu'il y a dans mes noms à Babisatne. N'est-ce pas? Paquetier, ils ont été en grève. Ils ont demandé l'État, espace pour travail. Parce que là, ils viennent dans la cour, dans la machine, ils ont été pas de bureau. En dentier, espace là, il y a 5 bureaux qui sont là-dedans. N'est-ce pas? Il y a différents bureaux, l'État là. Au PC là, gagné au bureau d'état civil là, gagné l'autre bureau là, pas d'espace pour travail. Et ça vous comprenez? Donc si tu as fait une grève, tu as demandé l'État espace pour travail, tu n'as pas bien grève là. Mais demander l'État, fais grève, font grève illimitée pour demander augmentation de salaire, et tandis que on a l'État qui est vide, n'est-ce pas? Pas de parlement, pas de budget, pas gagné. Tout le monde a une corruption à faire. Donc, paquet CEO, la justice, pas supposé entrer dans la logique ça. Parce que les gens qui sont là, Ariel et consorts, c'est corruption à faire. Il n'y a pas de budget de l'État, il n'y a pas de gagner dans le pays. C'est gaspiller l'argent de l'État seulement. N'est-ce pas? Donc, au lieu pour le paquet de pour la justice, tu es entré dans la grève illimitée, n'est-ce pas? Pour demander une augmentation de salaire, sans tenir compte des situations où les gens qui mourent dans la prison, qui mourent dans le commissariat, ils ne sont pas capables de vagin naturel. Mais nous disons que la grève, ça, c'est une grève qui est illégale, c'est une grève qui est inconstitutionnelle. N'est-ce pas? C'est une grève qui tout simplement, c'est un bagage qui tout simplement arbitraire et nous-mêmes en dans une appât nous dénoncer ça. Côté que je ne te dis en négio, il y a fait l'argent, mais négio pas jamais sensible aux classes moyennes défavorisées. Négio crée une insécurité dans ton pays, côté négio insécurité dans le pays, négio contrôler tout ghetto net.
en général, depuis mettre ghetto à chaud, il est capable de gagner, il est capable de contrôle, ça va pas dans le pays. Il a divisé Belé à Delmadé, j'aime que tu chantes là, il a divisé la salle pour tout en gravine, il a pris toute masse défavorisée à nous, même si c'est dans le ghetto, il a fait nous railler pour tête nous railler pour frère nous avons même tirer pour frère nous. Dans tout le monde qui a mouru dans le pays, ça, qui nous va jamais entendre des milliards qui mourent, nous ne va jamais entendre des nègres en haut disparaître, c'est toujours nègres en bas. Je dis, nous tous constatons que tout le monde a dit qu'il y a un carnaval, il y a un carnaval. Après le carnaval, là, mais qu'est-ce qui vient en retour dans le pays d'Haïti? Depuis le matin, nous, ouais, nous avons plus le patriarche qui l'a devant le bâtiment, puis le patriarche n'a pas jamais une présence aucune mairie. Comme pas de magistrat dans le pays, hein, son agent intérimaire, il a mis dans la tête mairie de Port-au-Prince pour la faire comprendre, même Jean, Matin était fait auparavant, l'aide a payé nommé magistrat dans le pays. Hein. Je dis, hein, moi, t'as pour chaque Haïtien qui a vécu en Haïti. Nous n'avons pas besoin d'aucun leader politique, nous n'avons pas besoin d'aucun parti politique. Nous-mêmes, nous sommes capables de leader, nous sommes capables de tête propre par nous pour nous faire revendication de nos passés. Je dis à nous que Haïti vive en phase. Tout nègre qui t'a bataille pour ça changer, nous partons de et nous parlons. Nous parlons qui cause qui fait ça. Ça, c'est personnel pas. Moi, t'as rien, mais bon, mais ça très clair. Ensemble avec Rosemila Petit Frère. Rosemila Petit Frère, mais ça, ça me prévoit et baouan. Moi, t'as rien, mon tandel. Ou son femme qui est très très puissante. Souterrain. Mais pas non plus de souterrain, faut qu'on parle tout pour. Puis qu'on voit les gens pour vous, si vous parlez de propre tête pour même pour voir qui ça est capable de peuple en retour. Parce que, il y a un proverbe qui dit, l'eau dehors ou pas qu'à bataille, mais pas qu'on en pour bataille. Il y a des gens qui bataille en abolition, constatent qu'il y a des batailles qui t'aiment pour le pays d'Haïti changer. Moi-même, je constate qu'on va passer en CAS. Si je suis dans le CAS, je ne suis pas capable de batailler pour handicapé en CAS. Je suis obligé de rester en CAS pour me battre contre les gens qui ne peuvent pas malheureux et malheureux pour toucher normalement. Les gens qui ne peuvent pas que les subventions, l'école, qui ne peuvent pas nous-mêmes, si jeunes qui sont dans le pays, qui ont une capacité, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas rien pour nous faire, nous-mêmes, nous sommes obligés de créer un système pour nous capables de vendre tête, nous, pour nous capables de battre contre les gens. Nous avons des années depuis Haïti, nous sommes en crise. Crise que je dis à nous arriver là, Livin 3. Je dis un volume kidnapping dans 3, pas de gaz et pas de problème gaz. Très tôt là, tu combats au gaz, tu es entré, tu es obligé de retourner. Nous avons un intérêt personnel pour y arriver. Nous avons Ariel Henry qui est sous pouvoir, qui est sous pétrole, qui va prendre un serré. Comme il dit Ariel Henry, son ballon d'or, même pas un peu de ses ballons d'or. Next, il y a tout ça fait. Nous avons créé un système misérable là, nous avons créé un masse défavorisé là. Classe moyenne, yo prend yo pigel, yo prend en bas pied yo même pour enrichir tête yo. M'a dit ensemble avec next ça yo. Qui côté sénateur, côté député, côté magistrat, côté sortir ya. Monsieur la vie gen ka malade et Haïti gen met. Haïti gen met. C'est pas n'importe moun qui croit penser yo pas capable faire n'importe bagay en Haïti. Même je nous on a fait haïsser ça. Passer misère, n'a fait peuple ghetto souffrir, malheureux malheureuse, n'a poule tout vivant, n'a tué yo. Nous avons tout ça dans le pays, monsieur, vous mouillez dans celle-là, qui a écrit, qui a pris notre pour nous. Il y a 95% de monde dans ce moment-là, avec les parents qui ont fait l'INA, qui n'est là et qui a dormi sous place, quand les cailloux boulés, quand il n'y a aucune instance qui vient balancer avec nous. Monsieur, nous boulons tout l'argent dans le pays, nous faisons 10 millions dans le pays. Il y a le temps pour nous faire un peuple haïtien. Il y a une chance, il y a le temps pour nous libérer le pays d'Haïti. Ça qui a goûté, n'a pas goûté. Ça pas gagoumé, tourner dans le pays nous allons vivre dehors. Nous pas en prière Kachapika, 37-43-43-32, 37-43-43-32. Nous sommes la mairie de Port-au-Prince, parce qu'il n'y a pas de mairie de Port-au-Prince, pas de magistrat, soit agent intérimaire, qui a fait l'argent, qui a volé, qui a prié. Nous tous connaissons qui ça, M. Santé est déjà. Je dis, hein, mais qui ça a été tombé. Nous avons pionné. Nous avons pionné carnaval, carnaval après carnaval, mais qui est la vie va tomber, nous depuis la vie tombée, Haïti inondé, pays n'a pas aucun tour ego qui ouvre tout tour ego bouché. Nous tous haïtiens, nous pouvons voyager. Il y a nous qui voyageons dans le pays étranger, dans le pays tout ensemble. Nous voyons comment nous faisons pays. Si nous faisons pays, monsieur, entre faisons pays, le peuple n'a pas souffert encore. Et je peux haïtien ça. Levez le cap et le revendiquer. Ma petite Marie, c'est nous. Nous tous ces volets. Je dis ça pour nous guider maman nous la petite plan en